Voilà pourquoi vous pouvez pas comprendre mon histoire avec Sarah. Parce qu'elle n'est pas banale. Elle est tout ce que votre histoire vous n'est pas. Quand on ne trompe pas, commandant, on ne soupçonne pas. Putain, c'est infect. Je sais qu'elle est virée, je suis sûr qu'elle le fait exprès, cette conne. Victorine ? Vous l'avez envoyée, pourquoi ? Je n'ai plus la supporter. Elle fout son nez partout, elle bague tout ce qu'elle fait. En tout cas, elle n'est pas prête de retrouver une place pareille. Vous devez bien la payer, parce que... elle a une sacrée moto. Je suis fatigué, je vais me coucher. Qu'est-ce qui s'est passé avec la page des sports ? Chérie, c'est toi qui as touché à mon journal ? Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton journal ? Ah, il est bon pour la poubelle, il manque la page des sports. Tu l'as retrouvé ? Non. Non, c'est pas grave, hein. Le libraire a dû oublier de donner les suppléments, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as ? Rien. Surtout que vous, quand vous voulez quelque chose... Bah, la vie, c'est un petit peu comme les courses de chevaux. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas gagner. Oh ! Faut gueule ! Vous vous intéressiez déjà à l'Oracle quand vous étiez journaliste People ? Oui. Enfin, au début de sa carrière, elle fait pas la presse, hein, bien au contraire. Elle se prêtait volontiers aux photos, aux interviews. Puis tout a changé avec ce film. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, à peine le tournage commençait, Laura a rompu avec Gandolfi. Les journalistes se sont mis à la harceler. Ils affirmaient qu'elle avait quitté Gandolfi pour Adrien Le Tourneur, l'autre star du film. C'était vrai ? Non. Enfin, c'était une rumeur. Personne n'a jamais su la vérité. En tout cas, je suis content de te voir heureuse. Tu te souviens quand je te massais ici ? Il y a quoi, 15 ans à peu près ? Laura était toute petite et cavalée partout. Puis le matin, on laissait les bols du petit déjeuner sur la table. Puis on filait à la plage. Puis on rentrait le soir crevé, plein de sable. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je suis venu prendre ma douche. Non, parce que sous la tente, c'est pas très pratique. Je... Oui, bah oui. Attends. Mais pourquoi on se cache ? Je sais pas. On dirait t'as qu'à 15 ans. Ça fait pas mal de rajeunir, tu crois pas ? Oui, mais c'est pas la première fois qu'elle verrait ses parents ensemble dans une salle de bain. Bon, bah ça reste entre nous. Attends deux secondes, on n'a rien fait de mal. Je trouve pas ça normal, sa réaction. Si, bon, enfin, là, j'aimerais qu'on parle de nous, c'est possible ? Écoute, tu trouves pas que j'ai changé ? Sans déconner, j'ai changé. T'aurais jamais dû la laisser seule. Hé, dis donc, oh. Tu m'as demandé de la planquer, hein, pas de la surveiller. T'as un moyen de la joindre ? Non ! Tu devais pas la laisser partir ! Oh, tu te calmes, hein ! Hé ! Je suis désolé. Tu veux en venir ? Elle s'appelle pas Emma. Et elle m'espionne depuis des mois. C'est qui, cette fille ? C'est vous qui avez tout fait sauter, là ? Excusez-moi, mais je crois que c'est mon projo qui est trop puissant. Ah bah ouais, faut balancer des watts, hein, si on veut obtenir une bonne image. Vous êtes une vraie calamité, vous. Allez, sortez-moi votre engin. Je vous demande pardon. Alors, ces extraterrestres, ils vous ont pas encore enlevé ? En tout cas, c'est pas eux que j'ai attendu toute la nuit. J'ai voulu rester avec Arthur. Avec la quarantaine et toutes ces bêtises-là sur les ovnis, ça l'a beaucoup perturbé. Je comprends, je sais ce que c'est, j'ai une fille de 8 ans. Margot, c'est votre fille ? Eh ? Je l'ai en garde alternée avec sa mère. Ah. Et comment vous savez qu'elle s'appelle Margot ? C'est votre pensée mentale. Rien qu'en vous regardant, j'ai deviné. J'ai eu un flash. Oh. Ça marche bien, votre truc. Ah ouais ? Oui. Ça veut dire quoi, tout ce bordel, Marceau ? Ça veut dire que si cette affaire est aussi grave que je le crains, de nous deux, vous serez le premier à sauter, monsieur le préfet. Vous avez donc toute ma confiance pour mener à bien cette enquête, commandant. La pleine et entière confiance d'un électricien dans ses fusibles. Répondez à la question, général. Et pour votre info, sachez que cet homme est aussi impliqué dans un braquage qui a coûté la vie à une dizaine de civils. Mais rien. Cet enfoiré de Le Vigan est allé leur raconter que je m'étais battu avec Alex. Voilà, t'es contente ? Tu as revu ton frère et tu ne m'as rien dit ? Enfin, Barbara, on n'est pas mariés. Non, mais tu aurais dû m'en parler. J'espère que tu n'as pas fait la bêtise de tout lui raconter.
Et j'ai raison à ce qu'on dirait. Et qu'est-ce que votre frère a bien pu vous dire pour vous mettre hors de vous? Que vous étiez un minable? Justement, c'est tout l'inverse. Il m'a appelé pour me demander pardon, il m'invite à déjeuner avec lui. 18 ans sans nouvelles, il m'invite au resto. Non, mais qu'est-ce qu'il croyait? Que j'allais l'accueillir à bras ouverts? Non, non, quand j'étais dans la dèche, il m'a laissé tout seul dans la merde. Même quand la menuiserie a coulé, il n'a même pas levé le petit doigt. Alors j'ai vu rouge, j'ai cogné. Je sais que c'était pas très malin, mais ça m'a fait du bien, putain. C'est bizarre, la vie. On croit toujours qu'on aura le temps de dire aux gens qu'on les aime, mais c'est pas vrai.